Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du mercredi 22 janvier 2020, 13h47 du Québec. Heureux de vous retrouver, les villageois, les villageoises de YouTube. Au-delà de la politique, plus important que la politique, que la partisanerie que tous ces pièges que nous tend le système pour nous faire oublier ce qui est vraiment de très, très important et nous faire oublier qu'on est au service de l'élite, plus important que tout ça, c'est l'état de la planète. Hein. Parce qu'à un moment donné, si on n'a plus d'air à respirer, ben, on ne pourra même plus être esclave. <laughs> Comprenez-vous Les changements climatiques sont indéniables, on les voit, ils sont là. On est là à se questionner s'ils sont anthropiques ou s'ils sont cycliques. Probablement un mélange des deux. Mais ça ne donne rien de s'argumenter là-dessus. Il faut préparer les populations. Il faut prendre en charge ceux qui sont touchés par ça par centaines de millions, qui ont un impact à tous les jours. Il n'y a personne qui se préoccupe de ça, il n'y a rien qui est fait. Pendant ce temps-là, la Banque fédérale continue à imprimer de l'argent tous les jours à coups de dizaines de dizaines de milliards de dollars pour enrichir Wall Street, pour enrichir les, les grands de ce L'endettement est rendu à un niveau hallucinant. Euh, la robotique va venir enlever des centaines de millions d'emplois la misère va se répandre partout. Le climat est en train de ravager la vie de ceux qui n'ont pas la technologie, parce que les pays les plus touchés par les changements climatiques, les victimes de ça, sont souvent dans les pays pauvres ou émergents. Les océans, on apprend que la température des océans est en augmentation. Tu peux pas le nier. Que ça vienne des, sous des volcans sous-marins ou pas, ou pas qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare à tout ça, à vivre les changements majeurs qui vont venir? Il n'y a personne. Qui parle de ça? On est là à se lancer une balle dans un camp à l'autre, encore là avec de la partisanerie. Qui mène absolument à rien. Puis pendant ce temps-là, il y a des choses dramatiques qui se passent. Extremely warm ocean waters in the Pacific may be responsible for the deaths of as many as a million seabirds. Scientists have been tracking the heated waters and formerly known as the blob now the ocean blob for years. It's a 1000-mile stretch of ocean that is as much as 10 degrees warmer than the surrounding waters. Donc 10 degrés de plus que les eaux euh, une espèce de blob, j'en ai déjà parlé, c'est une masse d'eau qui est énorme. Et Ce serait responsable de la mort de plus d'un million d'oiseaux de mer qui ont été retrouvés euh, échoués hein, de la Californie jusqu'en Alaska. Les chercheurs disent que les décès sont un signal d'alarme pour les dommages causés par des océans plus chauds. Selon un scientifique, près d'un million d'oiseaux de mer sont morts en un an alors euh, lors d'une mortalité massive. Sans précédent, causé par une immense zone d'eau inhabituellement chaude, connue sous le nom de la goutte ou le blob. Plus de 60 000 guillemots morts, une espèce mangeuse de poissons, ont été trouvés sévèrement émaciés sur les plages du centre de la Californie, au nord de l'Alaska, en direction de l'Alaska, entre mai 2015 et avril 2016. Des chercheurs de l'Université de Washington et de la US Geological Survey ont déclaré qu'ils pensaient qu'une longue période de température plus chaude de l'eau au large des côtes du Pacifique avait contribué au décès en réduisant de manière inattendue l'approvisionnement alimentaire dans la région. Sans compter tout ce qui s'est passé, on le sait, hein, euh, en Australie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les événements, des feux qui sont de brosses qui ont débuté en septembre et qui sont encore en train de sévir, un peu moins, mais qui euh, ont fait des dommages et des ravages incroyables. tué plus d'un, on parle d'un milliard d'animaux, euh, laisser des, euh, hein, euh, des ravages de ça euh, qui seront là et qui prendront du temps à être réparés. L'Espagne a été victime. 2020, c'est vraiment une année qui commence, waouh, de façon vraiment tragique et qui devrait nous éveiller, mais qui ne le fera pas. On va être là à se lancer la balle. C'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du CO2, non, c'est pas la faute du CO2, c'est la faute du CO2, non, c'est pas la faute du CO2. Pendant ce temps-là, les gens crèvent, puis il n'y a personne qui s'en occupe, puis les riches continuent à s'enrichir. Quatre morts alors qu'une tempête puissante déclenche des vents forts. Et des chutes de neige presque historiques et des vagues records en Espagne. On a été ici frappé par un blizzard historique qui a établi des nouveaux records de chutes de neige à Terre-Neuve et Labrador. On parle de 80 à 85, dépendamment des régions, 90 cm de neige. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est sans compter tous les tremblements de terre. Plus de 1000 tremblements de terre ont été enregistrés dans la région de Puerto Rico en plus des deux majeurs qui ont causé des dommages incroyables. L'Europe a été touchée par des tremblements de terre aussi à la fin de 2019. L'intensification de ces tremblements de terre-là et de l'activité volcanique, hein, euh, le volcan euh, de Taal qui a été euh, qui a obligé l'évacuation de dizaines de milliers de citoyens de cette région-là. On est en Inde avec la pire invasion de criquets en 60 ans, plus de 360 000 hectares sont disparus. Au, en Afrique, au Kenya aussi, on se retrouve avec euh, une invasion de, de criquets euh, qui, vraiment, un fléau de criquets pèlerins, des tremblements de terre dans des endroits divers et des conditions météorologiques complètement révolues. C'est presque comme si quelqu'un avait basculé une sorte de commutateur au début de 2020, car nous avons vu des choses vraiment étranges se produire partout dans le monde jusqu'à présent, cette année. Plus loin dans cet article, je vais vous parler des grands tremblements de terre et des événements météorologiques étranges que nous avons vus au cours des derniers jours. Mais je veux d'abord discuter des armées massives de criquets qui mangent avec voracité des cultures en Asie et en Afrique. À l'heure actuelle, une invasion mortelle par des millions et des millions de criquets en Inde est absolument dévastatrice, ferme après ferme. Et les médias en Inde qualifient cette invasion de criquets de pire en plus de six décennies. Certaines parties de, du Rajatistan et du Gujarat sont au milieu d'une invasion meurtrière par des millions et des millions de criquets, laissant les agriculteurs là-bas en détresse. L'invasion qui a commencé en octobre serait la pire depuis six décennies. Imaginez-vous. Des alertes hein, un peu partout en Espagne avant que la tempête arrive. Le volcan Shish Adin en Alaska qui amène un code élevé rouge et c'est comme ça, comme ça, comme ça, des, euh, on parle ici du fameux volcan Taal, hein, avec des grandes fissures qui se forment autour du volcan après une éruption majeure. Et c'est comme ça, c'est jour après jour et jour après jour, hein, sans compter les fameux tremblements de terre. On parle de plus de 1000 tremblements de terre qui auraient frappé. Waouh! Wow. Le Porto Rico, au Kansas, on a eu des tremblements de terre euh, il n'y a pas longtemps. En Chine, on aurait eu des gros tremblements de terre. Euh, un de 6.4 qui a frappé le comté de euh, ji euh, hachi dans le Xinjiang autonome, dans le nord-est de la Chine. Le tremblement de terre aurait une profondeur de 165 euh, km et aurait eu lieu à 21h, 21h locale. Selon les témoins, les secours se sont fait sentir dans les villes euh, de Kashgar et Artux. Pour le moment, aucun décès ni dommage n'a été signalé. Il s'agit du troisième tremblement de terre qui a frappé le sud de, de la Chine au cours des 47 dernières heures. Le tremblement de terre en Chine a été rétrogradé à 6 par la suite. Depuis dimanche, 466 tremblements de terre ont été enregistrés. Des experts préviennent que d'autres éruptions pourraient encore survenir. Plus de 1000 tremblements de terre ont secoué Porto Rico ces dernières semaines et de nombreux résidents continuent de dormir dehors car ils ont peur de voir leur maison s'effondrer. Wow! En Alberta, le temps était froid, hein? aussi froid que sur Mars, il faisait des moins euh, 17, moins euh, 34, moins, pas 17, mais moins 34, moins 40, moins 50, moins 60. Alors, quasiment tous les jours, nous assistons à des catastrophes naturelles qui ne ressemblent à rien, à ce que nous avons vu auparavant, et ce que nous avons vu jusqu'à présent, n'est que le début, wow, mais c'est totalement, totalement vrai, on, a, on rentre dans un territoire complètement inexploré et la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer les grands défis qui nous attendent tous. L'Indonésie a été frappée par un fort séisme aussi ce week-end, six en Papouasie. Imaginez-vous des milliers, des milliers de tremblements de terre. Vraiment, très inquiétant tout ce qui se passe. C'est comme si personne qui se préoccupait vraiment de tout ça, hein? un blob du Pacifique, comme une goutte d'eau chaude de l'océan Pacifique, a tué un million. Hein, cette masse qui représente à peu près, on parle de... J'avais les données sur cette... Euh de plus d'un je parle d'un kilomètre, mais c'est plus que ça. J'essaie de trouver la, j'essaie de vous trouver la dimension de. Peut-être que je l'aurai ici. C'est en 2013 que les scientifiques ont détecté, une, pour la première fois, j'en avais parlé à l'époque, ceux qui s'en rappellent, une grande étendue d'eau dans l'océan Pacifique qui était plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être en fonction de son emplacement et de la période de l'année. Ils ont surnommé cette patch-là, cette masse-là, le blob, et ont par la suite déterminé que le changement climatique en était la cause. Maintenant, une nouvelle étude a identifié ce qui pourrait être la plus grande, euh, les plus grandes victimes de, cette, de ce blob à ce jour, une espèce d'oiseau de mer connu sous le nom de guillemot. Cette nouvelle étude publiée dans la revue Plus One Wednesday des chercheurs de l'université de Washington et la, euh, de la United States Geological Survey et d'autres institutions ont déterminé qu'environ 62 000 carcasses de ce Oiseau, le guillemot, avait été échoué en, en Californie, euh, de, dans le centre de Californie, la, jusqu'à l'Alaska. À certains endroits, le nombre de carcasses était de mille fois plus élevé que la normale. Au total, les chercheurs estiment qu'un million de guillemots sont morts au cours de la période étudiée faisant de l'événement la plus grande mortalité massive d'oiseaux de mer de l'histoire. Wow! Vraiment, vraiment inquiétant. Donc, le fameux blob, hein? On va aller voir. Une masse d'eau chaude, appelée de blob, tu la morue de l'Alaska. Là, on est en 2013, alors une entité imparable a commencé à terroriser le Pacifique. Parfois, il s'étendait sur toute l'étendue de l'océan, de l'Alaska à l'Amérique du Sud. Non, ce n'était peut-être pas un requin hyper-agressif ou un orque. C'était la goutte, une masse d'eau de plusieurs degrés plus chaude que la température moyenne de l'océan. Ce genre de choses que vous pourriez bêtement accueillir dans une piscine froide, mais qui peut causer des ravages absolus dans l'océan. Donc c'est dévastateur. Hein? Et euh, l'étendue de tout ça, c'est euh, énorme. Je vais essayer de vous trouver le, le compte exact. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant tout ça. De trouver cette... Donc on dit, ce fameux blob une largeur de 800 km et une profondeur de 91 mètres. Il s'est étendu et a atteint la taille de 1000, 1000 1600 km de long 1600 et 1600 km de large. Waouh! Et 300 pieds de profondeur au mois de juin 2014, lorsque le terme de blob a été inventé. C'est énorme, énorme. C'est vraiment inquiétant. Donc, chers amis, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Je, je pensais que c'était important de vous parler de ça pour vous et on va terminer avec une histoire complètement folle une prolifération maintenant d'araignées mortelles après les feux en australie après les feux de forêt les inondations des dernières semaines les tornades aussi et la grêle maintenant on doit composer avec la prolifération d'une araignée mortelle selon les experts l'araignée à toile entonnoir qui vit dans les forêts humides de l'est de l'australie est connue pour son venin très toxique et à action très rapide mercredi le parc australien des reptiles de Bay en Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que ces araignées prolifèrent depuis quelques jours. En raison des récentes pluies et de la chaleur, nous, nous, sommes, nous sommes en train de voir des araignées à toile en se déplacer, a indiqué dans une publication Facebook Daniel Ramsey, porte-parole du parc. L'Australie est ravagée depuis six mois avec les pires incendies qu'elle a connus depuis des décennies faisant au moins 28 morts et 3000 maisons brûlées dans, euh, en Nouvelle-Galles du Sud. La semaine dernière, on a eu des orages violents, de la grêle. Des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre sont même tombés dans certaines parties de l'État. Et on a eu des tornades aussi. Donc vraiment, tout est en train de s'intensifier. 2020 va vraiment nous éprouver. J'espère que vous êtes bien équipés en patience.